Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau, pas envie de grenier, live. Aujourd'hui, je vais vous parler des achats que j'ai pu faire au mois de juillet, mon premier échange aussi, tout récemment, et des jeux que j'ai reçus en cadeau. Voilà, donc tout d'abord, merci à tous ceux qui suivent la chaîne, à tous ceux qui m'ont offert ces superbes jeux. Donc, c'est parti, là tout de suite, je vous présente ça tout de suite maintenant. C'est un lot que j'ai acheté sur le Bon Coin. Donc, je vous montre un petit peu les jeux et j'ai pris le lot parce qu'il y avait un jeu que je voulais. Bon, je sais pas, j'ai peut-être payé un petit peu cher, à voir. Donc, il y avait X-Men 2 pour commencer. Voilà, X-Men 2, Mutant Academy. Je sais pas trop ce que vaut ce jeu, mais on a à l'arrière, je sais pas trop. Bon, à voir, à tester. Je sais pas quelle est la cote de ce jeu là, mais il y avait plus de X-Men, plus de coups, plus d'arènes. Donc à voir, à tester. Il y avait X-Men 2 Mutant Academy. Il y avait la Cité des Enfants Perdus. La Cité des Enfants Perdus, c'est un jeu qu'on voit pas passer souvent. Alors la boîte est un peu étrange, c'est la même boîte que Jonah Lomu, mais rugby. Il est complet, boîte, notice, et elle est pas en si mauvais état. Donc comme je disais, voilà, c'est la même boîte que... où est-ce qu'il est, Jonah Lomu? C'est une espèce de boîte un peu étrange, avec les bords noirs, mais il me semble qu'il y a des jeux qui sont sortis comme ça. C'est un peu la foire à l'empoigne, hein, les boîtes PS1. Mais voilà, donc La Cité des Enfants Perdus, un jeu que j'ai pas forcément des super bons souvenirs, mais je pense que l'univers, on doit retrouver un petit côté un peu déjanté du film. Après il y avait Death Trap Dungeon. Je sais pas ce que ça vaut, ça a l'air un peu étrange, mais il était complet. Il y a d'ailleurs deux notices. Ah, il y a un bestiaire, donc il y a deux notices et le jeu. Donc la boîte n'est pas en si mauvais état, donc le bestiaire et le jeu, voilà. Donc complet, Death Trap Dungeon. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais comme je ne l'ai pas dans la collection, à voir. Ça a l'air d'être un peu un sous Tomb Raider avec des espèces de bestioles un peu bizarres. Mais bon, donc ensuite il y avait Colony Wars, donc lui que je n'ai pas, j'ai du G-Police, ça oui, mais Colony Wars je l'avais pas, et donc il en reste encore un troisième à trouver, parce que si j'ai bien compris il y a une série de trois jeux, Donc toujours chez Psygnosis, et là on retrouve le jeu complet, avec les deux jeux dedans, les deux disques, pardon. Et voilà, donc complet. Après il y avait Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft. Voilà, donc Tomb Raider 3, bon état, complet si je dis pas de bêtises, avec, qu'est-ce que c'est ça ? Tomb Raider 3, donc le jeu, la notice et plus un petit fascicule. Hop. Lara, je sais pas ce que c'est, donc j'imagine que c'est pas Lara Fabian, hein, mais voilà, donc c'est un petit je sais pas ce que ça vaut, c'est assez étrange, mais Lara, l'équipement, je vois pas trop ce que c'est, mais bon, donc voilà, Tomb Raider 3, complet, boîte, sympa, notice et le jeu. Hop. Ensuite je continue dans ce lot là, j'ai pris ce lot pour ce jeu là, Alien Trilogy. Hop là, pardon, on va mettre comme ça, à éviter les reflets. Alien Trilogy, voilà. Donc les critiques sont pas toujours très bonnes, mais franchement, je vous montrerai, je pense qu'on terminera la vidéo là-dessus. Vous coupez la musique, parce que la musique elle est à chier, faut dire ce qui est. Et par contre, quand vous allez vous retrouver dans les dédales de couloirs avec vos armes et que vous commencez à manquer de munitions et que vous entendez les bestioles faire qui passent comme ça, je peux vous dire que ça vaut bien un petit Resident Evil. Moi je sais que j'adore ce jeu là pour son aspect un petit peu gore, un peu côté voilà. Bon, la notice malheureusement a pris un peu la flotte, donc au moins il est complet, et puis il est en très bon état, donc voilà, Alien Trilogy, je voulais ce jeu là et comme il était un petit peu cher, j'ai cherché à trouver plutôt un lot
qu'un jeu tout seul. Et donc la personne en cadeau m'a offert Siphone Filter 3, pas en loose mais presque. C'est-à-dire qu'il y a le jeu, la boîte n'est pas en si mauvais état, mais il manque la jaquette et puis la notice. Donc le lot complet 1, 2, 3, 4, 5, 6, la personne me l'a fait à 25€. Donc ça fait une certaine somme. Mais Colony Wars, Tomb Raider 3, Alien Trilogy, donc après les autres, La Cité des Enfants Perdus, voilà. Et X-Men 2, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, c'est. Voilà, je voulais Alien Trilogy, puis il était à côté de chez moi, donc peut-être que je le trouverai en vide-grenier, mais je voulais vraiment y rejouer là. Je pense que je terminerai là-dessus sur la vidéo. Je laisserai en plein écran, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Vraiment, le premier niveau, les quelques premières minutes, ça démarre un peu fort, genre Aliens, comme c'est Alien 2 de James Cameron, où ça tire de partout, ils arrivent sur une base qui a été terraformée et où il n'y a plus personne. Voilà, et les Marines arrivent là-dedans pour dégommer tout le monde, sauf que bon, il n'y a plus que des monstres. Bref, donc on enchaîne ensuite avec des jeux que j'ai reçus en cadeau au mois de juillet. Donc je peux vous dire que j'ai halluciné, puisque j'ai reçu en cadeau 4 jeux, pas moins de 4 jeux. Donc Jérémy, si tu regardes la vidéo, eh bien je te remercie énormément, parce qu'il y a un jeu, j'aurais, je pense, jamais cru le retrouver là récemment. C'est quelque chose qui n'est pas évident à trouver. Donc je vais commencer. Alors, il y a deux jeux, je vous cache pas, je sais pas trop ce que c'est, mais donc on retrouve Fighter Maker, que je n'ai jamais dont je n'ai jamais entendu parler, mais il est complet. Donc il y a, hop, voilà, Fighter Maker, il y a la notice, le jeu. Donc pour ma petite collection, eh bien moi je suis content, eh bien ça rentre dans ma collection, un jeu offert, eh bien moi je prends. C'est, voilà, c'est vraiment très très sympathique. Donc Fighter Maker, je ne connais pas, mais bon, on peut estimer que c'est pas un hit, hein, mais c'est pas grave. Ensuite, il y avait Europe Racing, un cadeau, ça se refuse pas, hein. Europe Racing, hop, je sais pas si on voit bien, voilà, Europe Racing, aucune idée de ce que ça vaut. On retrouve les décors en Europe, on retrouve, ça va être le Colisée à Rome, voilà. Paris, est-ce qu'on a la Tour Eiffel? Mais oui, Paris, on a la Tour Eiffel. Et donc, il est complet, il y a une notice qui est assez lourde dedans d'ailleurs, qui doit être à mon avis dans toutes les langues, voilà, puisque c'est pour l'Europe. Vous avez la notice qui est dans toutes les langues, et qui pèse assez lourd, donc le jeu, la notice, le boîtier est en bon état. Je continue. Ensuite, il y a Qbert. Alors, ce jeu-là, hop là, je vais essayer de mettre proprement. Qbert. Donc là, je connais pas, mais c'est un petit jeu qui a l'air bien sympa. Donc, j'en avais jamais entendu parler. Et une fois que je l'ai eu en cadeau, eh bien, je l'ai découvert sur d'autres. Je l'ai vu passer sur Le Bon Coin, mais je l'ai pas vu en vide-grenier. Donc, je pense qu'il est pas évident à trouver. Qbert. Un petit jeu un peu rigolo, un peu à la Kula World, ou comme Glover, comme j'ai trouvé la semaine dernière, je crois. Donc voilà, donc Qbert. Ça, c'est pour les 3 premiers jeux. Et le quatrième jeu, où est-ce qu'il était? Oui, il était là, donc non, vous ne l'avez pas vu. Le quatrième jeu, que je pensais vraiment pas trouver, et qui pour moi est quelque chose de très rare à trouver. Voilà. Donc je n'y ai jamais joué, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est un peu Myst de l'esprit, si je me trompe pas. On est un peu, on cherche, c'est un peu gore, un peu. Je me souviens qu'il y a des trucs un peu sanguinolents. Bref, c'est pas du solving the mystery, résoudre le mystère, explorer le côté noir de votre âme. Donc recevoir des en cadeau, je vous dis pas ce que ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai halluciné. Donc il est presque complet. Donc il y a les trois disques. Voilà, il n'y a pas la notice, donc mais il y a pas mal de choses qui sont écrites là au dos, donc c'est écrit tout petit, mais franchement, voilà, recevoir des en cadeau, bah, je sais pas vous, mais moi j'étais sur le cul, donc voilà, donc ça fait une belle pile de 4 petits jeux. Donc Jérémy, si tu vois la vidéo passer, eh bien un gros merci à toi pour ces 4 jeux. Franchement, bah, je les avais pas dans la collection déjà, et ça me fait super plaisir, donc un gros merci à toi.
Allez, je continue. Un second jeu que j'ai reçu en cadeau. Alors, c'était juste là ce matin. Merci à toi, David, pour ce Halo 2. Eh bien, forcément, là, je l'avais pas. Il est complet. Halo 2, donc avec le jeu et la notice. Donc, sur Xbox. Et oui, puisque j'ai trouvé une Xbox la semaine dernière à 10€. Et elle fonctionne. Donc, ce qui est cool, c'est que j'ai vu que Retroxidia parlait, voilà, elle cherchait surtout les jeux exclusifs Xbox. Et c'est un peu ce que je cherche éventuellement aussi, parce que trouver des jeux en double sur PS2 et sur Xbox, bon, bah, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais des jeux exclusifs à la Xbox, bah, ça c'est cool, parce que c'est des jeux que moi je connais pas, puisque j'ai pas eu la console à sa sortie, et que je n'avais personne dans mon entourage qui avait cette machine. Donc, eh bien, Halo 2, j'ai bien hâte de tester ça. Donc, merci à toi, David, un gros merci. Franchement, c'est top, parce que voilà, ça viendra compléter ma modeste liste de jeux. Il viendra à côté du Hello Kitty. Voilà, donc ça, ce sont deux jeux, deux lots en cadeau. Et j'ai donc fait mon premier échange. Là, on est au mi-août. J'ai fait mon premier échange. Merci à toi, Player Kang, eh bien, m'avoir fait confiance. Alors, on va ouvrir un petit peu. Je vais faire un déballage. Bon, j'ai masqué un petit peu. Donc voilà, c'est parti. Alors, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ouvre. J'ouvre en direct live. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, Ninja l'ombre des ténèbres. Regardez, il y a un petit. Donc voilà, il est en super bon état. Franchement, il est comme neuf. Merci à toi. Donc, il y a même une. Oh là là, il y a une. Oh là, oh là, oh là. Oh, il y a un paquet de choses dedans. Donc Ninja, l'ombre des ténèbres, que je ne connais pas et que je n'avais pas dans ma collection. Franchement, il est comme neuf, quoi. Et merci à toi. Vraiment superbe. Superbe jeu, je suis vraiment content pour ce premier échange, merci à toi. Donc je continue, dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je vais mettre là, hop là. Alors qu'est-ce que c'est que cette surprise là? Oh là là là, alors on retrouve, ouais, fallait pas, franchement fallait pas, il y a du Crash Bandicoot 3 Ward en loose. Alors la démo 6, je l'ai peut-être, je sais pas, faudra que je regarde, je cherche la démo. La 2 et la 17, s'il y en a qui ont les démos, même en loose, c'est pas grave. Pour une future petite émission, la démo 2 et la démo 17, je crois. Faut que je revérifie, mais je crois que c'est la démo 2. Je l'ai pas retrouvée. Et Mortal Kombat Shaolin Monks sur Xbox. Ouais, bon, bah merci beaucoup. C'est un truc de malade. Et il y a encore autre chose au fond, je sais pas ce que c'est. Ah, oh, délire. Ah non, mais fallait pas... Non, mais ça va pas à la tête. C'est un petit jeu Sega. Et en plus, je l'ai vu s'allumer un petit peu. Un jeu Sega McDonald's. Excellent. Donc, un jeu Sonic. Sonic McDo. Ah oui, ça fonctionne. Ah oui, on le voit en bas. À mon avis, vous allez. Ah oui, il y a des. Hop là, on monte. Je sens que je vais me manger un mur. Bon, on le verra pas sur l'écran. Je pense pas qu'on le verra. Je sais pas si on va voir grand chose. Enfin, si je fais une petite mise au point. Non, à mon avis, on verra pas sur l'écran. Perdu, et ben voilà, ça m'apprendra. Bon, donc bref, eh bien, merci à toi pour cet échange incroyable. Il n'en fallait pas tant. Je t'ai mis quelques surprises, tu verras aussi dedans, mais franchement, c'est top, top. Merci, merci à toi, Player Kang, pour ta confiance. Et puis cet échange, franchement, super, super jeu. Voilà, et bien c'est à peu près tout, je crois, c'est tout pour aujourd'hui, pour mes achats de juillet. Voilà, j'espère que je suis encore un peu essoufflé là, ça me fait beaucoup d'émotions. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo. Merci encore à toutes et à tous, vraiment un gros merci à tous ceux qui suivent les vidéos et avec qui j'ai pu faire ces petits échanges et puis toutes ces petites aventures. Voilà, franchement c'est vraiment top. Merci à toutes et à tous, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour mes achats, et bien la prochaine on dira les achats du mois d'août. Voilà, en attendant, jouez bien, salut!
Nous avons perdu le contact avec la colonie LV-426. Prenez Gorman et son équipe pour mener l'investigation. Personne ne doit apprendre que la compagnie a délibérément contaminé la colonie dans le but de récupérer des spécimens aliens au-delà de la quarantaine ICC. Oui, messieurs. Il est aussi impératif que vous obteniez la confiance de Ripley. Elle connaît les xénomorphes et nous aurons besoin de son aide pour en capturer un vivant. Bien compris. Bon, sachez aussi que les hommes de la division des armes biologiques ont l'ordre d'éliminer les intrus. Bien entendu, ils ne connaissent pas les objectifs de votre mission. Watson, passez par là. Bonne chance, Ripley. Système connecté, code de sécurité. Ça y est, nous y sommes. Prenez garde, les gars. Thank you.